Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Voilà une petite vidéo où vous avez pu me suivre au long d'une journée de bushcraft urbain. Ça m'était pas arrivé, ça fait un petit moment. Donc en fait, c'était surtout pour vous montrer un petit peu le milieu dans lequel j'évolue au quotidien. Donc c'est-à-dire une grande ville. 99% du temps je suis en grande ville, et donc comme une majeure partie certainement de nous tous, on évolue de plus ou moins dans une ville, hein. C'était aussi pour vous montrer ce lieu, alors qui n'est pas mon lieu d'origine, qui est un lieu d'adoption entre guillemets. J'y suis venu très tard. Mais c'est un coin que j'apprécie beaucoup. Déjà de une parce qu'ils ont du super vin, mais ça, une bonne partie de vous tous l'aurez compris. Mais c'est surtout que j'ai une préférence pour les villes avec une partie fluviale, ou lorsqu'il y a une rivière qui coule tranquille au milieu, ce qui est le cas de Chalon. Donc il y a la Saône, comme vous avez pu voir, avec les quais de Saône, ainsi de suite. Est un lieu qui est très agréable lorsque c'est comme ça, où il n'y a pas trop de monde. Après, les estivales arrivant, ça devient rapidement assez brouhaha comme lieu. Donc c'est beaucoup moins agréable. En fait, c'est très joli les jours fériés et les dimanches, là où il n'y a pas grand monde et où vous pouvez errer comme ça dans ces ruelles qui ont une forte connotation des pays de l'Est de la France. Avec ces maisons en colombage, ainsi de suite, et ces petites ruelles typiques, voilà. Un lieu bien agréable, qui, si vous ne le connaissez pas, est une occasion de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas Chalon. Et par la même occasion, un petit clin d'œil à Niepce, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la statue que vous avez vue, pas le buste, mais la statue complète, qui est en fait le créateur de la photo. La première photo qui a été faite au monde, ça a été lui qui l'a faite à première vue, d'après l'histoire. Donc ce monsieur est le premier Instagrammeur et le premier YouTuber du monde. Grosso modo, ouais, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée dans cette journée fériée. La journée se termine, je vais rentrer douce manette. Et alors aujourd'hui, pour m'accompagner, comme fait Jean-Luc de la chaîne Couteau, je vais vous montrer mon petit couteau qui m'a accompagné. Pour certains qui l'ont vu ce matin à ma petite vidéo. Donc voici un couteau. Alors honnêtement, je ne sais pas d'où il vient. J'ai débarrassé la maison familiale après le décès de mon père il n'y a pas très longtemps, et je l'ai trouvé au milieu d'un lot de couteaux espagnols, des Don Benito, des Albacete, enfin compagnie, quoi, hein, un lot complet. Et donc bien sûr, j'ai récupéré ce lot-là. Certains sont des très vieux couteaux qu'il faut peut-être restaurer, d'autres sont des couteaux en meilleur état. J'ai retrouvé d'ailleurs son couteau de table qu'il n'utilisait que pour la table, comme quoi ce que je fais doit être dans mes gènes, de séparer le couteau de table du couteau qu'on utilise pour le jardin. Il fabriquait même lui-même des couteaux vraiment à la façon artisanale, comme faisaient les paysans pour se dépanner, avec une plaque de fer qui reprenait à la ponceuse et qui retravaillait pour faire leur couteau eux-mêmes. Voilà. Et donc j'ai découvert celui-là, qui, je pense, parce que les inscriptions ont disparu dessus, mais si je ne dis pas de bêtises, ça serait un modèle de la marque Etor. Cette fameuse marque qui fait des couteaux multi-usages pour l'armée espagnole, enfin pour les armées latines même en général, et qui donc fabriquait des couteaux comme ça un petit peu. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça sur le couteau du service militaire espagnol. Donc celui-là a l'air d'en faire partie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il n'y a rien inscrit, enfin il y avait quelque chose inscrit, mais c'était au laser certainement. Et puis alors c'est pas un couteau qui est très vieux celui-là, hein. Je pense qu'il a dû être acheté par avant son décès, il a dû certainement faire l'acquisition de celui-là. Donc j'ai retrouvé. Alors par contre, c'est de la corne de cerf. Enfin, c'est fait en bois de cerf. À première vue, le manche.
J'ai bien vérifié quand même, ça a l'air bien ça. Par contre, je pense que ça a été fait en version industrialisée à fond la caisse. Voilà. Donc avec un système ici de verrou à la fin, voilà. Construction très très solide, hein, mine de rien. Hein. Je ne sais pas du tout combien ça vaut. J'ai essayé de faire des recherches sur internet. J'ai pas trop trouvé. Enfin, j'ai trouvé des modèles plus ou moins équivalents, mais pas celui-là particulièrement. Je pense que ça a dû être acheté dans un magasin agricole, puisqu'il faisait souvent des courses pour les graines et tout ça, pour le jardin, dans les marchés agricoles. Donc je pense que ça a dû être acheté là. Alors est-ce que ça a été acheté en France? Est-ce que ça a été acheté en Espagne? Bonne question, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Mais donc ça a plus un intérêt sentimental que véritablement particulier. Hein. Mais c'est un couteau que je trouve très original dans sa conception. Et donc voilà, si j'ai bien compris, ça serait un Hector. Au niveau de la marque produite en Espagne, des couteaux en Espagne. Je vous remercie pour ce visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous.